Salut à tous, ici Sprulex et bienvenue dans ce cinquième épisode de Let's Play sur Chrono Trigger. Alors aujourd'hui on continue là où on s'est arrêté. Hop, voilà. Et donc, ce qui veut dire. Alors voilà. On doit aller au garde-manger parce que ils ont un petit problème de nourriture. Vous projetez de descendre? Bien sûr. Nous avons fait beaucoup de tentatives par nous-mêmes, mais elles sont toujours restées sans effet. Eh bien, il n'est pas question de savoir ce qui se passe à moins que... Non, il n'y a pas moyen de savoir ce qui se passe à moins d'avoir essayé, n'est-ce pas? C'est sympa de voir de tels es... de... Comment... Ah, c'est sympa de voir des gens, des jeunes gens pleins d'entrain pour changer. Soyez prudents alors et revenez en vie. Ok, très bien. Donc là, on va sortir. Voilà, et on doit aller ici. Égout abandonné. Alors, sentinelle. Des étrangers! Il vaut mieux rapporter ça à Crowley. Alors, il y a des bestioles à taper, ouais, forcément. Alors, cyclone, non, un windslash alors, voilà, très bien, ça pique un peu. Une grosse bulle. Voilà. On frappe. On frappe encore. Très bien. Changer, c'est pas mal. Alors, voyons, voyons. On a reçu des techniques en plus. Donc, c'était Marle a reçu Allure qui confus l'ennemi. Très bien. Et on n'a rien de plus. C'est déjà ça. Alors, ici, on peut pas passer. Donc, on est obligé de passer par là. Du combat. Là, un petit tourbillon. Je pense que ça fera plaisir. Aïe. Alors, non, même pas. Alors, cyclone. Lance-flamme. Et toi, tu attaques. Ouais, ça fait pas énormément de dégâts, forcément. C'est une créature aquatique. Un en moins. Joli coup critique. Voilà.
Il y avait un pont ici. Je l'ai vu, je te jure, les bêtes. Donc c'est des genres de grenouilles, hein. Boss. Quoi? Il s'est levé et il s'en est allé en marchant, les bêtes. Ne me mens pas. Il n'y a rien d'autre ici. Enfin, il n'y a rien du tout ici. Mais c'est vrai, bébé. Quelqu'un vient. Allons-nous-en. Ok. Donc il y avait un pont. Cet endroit est... Oula, ça je ne sais pas, Tad, je sais pas ce que c'est. Du côté effrayant. Oui, bon ben voilà. J'ai un mauvais pressentiment à propos de ça. Un chat. Bon, il y avait un chat. Alors, cyclone en bas. Sur les deux. Chrono, il va falloir qu'on te soigne. Aura sur Chrono. Très bien, ici on va attaquer. Toujours les deux ensemble. Ensuite, un petit soin sur Marl. Ok. Et on attaque. Voilà. Très bien. Alors, il y a quelque chose ici. Il y a un journal ici. La dernière entrée dit ceci. Je suis passé. Non, c'est pas je suis passé, c'est j'en ai marre, je ne peux pas supporter plus. L'attaque des hommes poissons. Non, les hommes poissons attaquent si je fais même le moindre bruit. Si je savais que les choses allaient être comme cela, j'aurais pris la j'aurais choisi la guillotine n'importe quel jour de la semaine. Alors, je vais m'en aller avec un bon et gros cri pour voir comment ces horreurs dégoulinantes aiment ça. D'accord. Ah, là-haut. D'accord, comme ça. Une canette. D'accord. C'est parti. On va soigner. Lucas en premier. Très bien. Ensuite, Lucas attaque ici en haut. Cyclone pour les trois. J'aurais dû faire ça dès le début. Deux en moins, ok. Voilà, très bien.
Ok. Parfait, on continue. Un morceau de fromage. Ouais. Et alors, à qui? Alors, tech cyclone. Comme ça. Tech aura sur chrono. Attaque sur celui qui a déjà pris des dégâts. Voilà. On va laisser celui qui a plus de dégâts à Marle. Qui a plus de vie plutôt. Très bien. Ok, il y a un point de sauvegarde. Alors, ce qu'on va faire... Ah, merde, c'est un faux. Zut. Alors, hop, cyclone. Non, ça touche aucun. Aura sur chrono. Alors, attaque celui du milieu, hein, attaque celui-là. Ah, zut. Il fait mal. Alors, Marle aura sur elle-même. Ensuite, Lucas, un petit coup sur celui de gauche. Chrono, un petit coup sur celui de gauche. Ok. Et on y va, on le termine, lui. Pas assez. Ok. Encore du combat. Cyclone, c'est pas bon. Windslash peut avoir les deux. Alors on a les deux. Voilà, voilà. Ah, on est de l'autre côté. Ici, il n'y a rien. Il faut passer là-dedans. Là, ok, il y a un bouton. On a ouvert une porte. Côté, ça c'est dommage. Donc ici c'est toujours pas bon. Allez, on recommence le combat. Voilà. Comment qu'on peut faire? On arrive là, il n'y a rien. La porte est ouverte.
Là, j'ai un doute. Par où il faut passer? J'ai dû louper quelque chose plus derrière. Donc, on ne prend pas... On ne fait pas de bruit. On ne prend pas, on fait pas de bruit. On fait toujours pas de bruit. On touche pas au chat. On arrive ici. On ne peut pas descendre. Il n'y a pas de bouton. Il n'y a pas de bouton. Ici, c'est déjà fait. Alors, on recommence. On touche pas au chat. On avance, on touche à rien. Bon, là, on doit refaire le combat encore une fois. Voilà. Rien de bien méchant. Il n'y a rien. Et c'est ça. Donc ici, on passe, on ouvre. Et on peut passer là-haut. C'est vache, mais ça passe. Ah, et les grenouilles. Il semble que... Vous avez... Tu as juste à presser cet interrupteur et le... Et le pont s'étendra. Alors, pourquoi tu ne... Pourquoi tu n'as pas déjà appuyé dessus? Eh, mais... J'arrive pas à l'atteindre. Et tu t'appelles grenouille? Y a quelqu'un qui vient. Allons-y. Oula. Ils sont trois d'entre eux. Ils sont presque ici. Ils marchent à travers les égouts comme si c'était à eux, hein. Et ils veulent vraiment mourir. On va leur apprendre le respect. Oui, nous le ferons. Laisse-les juste venir jusqu'ici. Ils vont être découpés, pulvérisés. On saura même plus comment les appeler une fois qu'on aura fini avec eux. Bon, on va arrêter les rires à la con. Merde, il commence le combat, merde. Ça, c'est chiant. Ok, alors, tel combo. Non, aura whirl. Nettoie ici, un petit lance-flamme. Ça sent deux. Oh! Alors, toi ici, tu vas nous faire une petite attaque. Ensuite, un objet non plus. Tu vas soigner Lucas et Lucas un objet et un éther sur Chrono. Ok. Combo, Firewheel.
Alors ici, toi, Aura sur Lucas. Ce sera Aura sur Chrono, hein. Ouais, c'est ça. Et en fait, il fait la vie moins 1 au niveau dégâts. Alors, Cyclone. Aura sur Chrono. Petit combo Aura Whirl. On va soigner un peu tout le monde. Un petit lance-flamme. Très bien. Ici, un wind slash. On va tenter. Une attaque normale. Mince, j'aurais dû soigner. Et ça va, il est mort tout juste. Ok, alors, on avance. Encore. Alors, première chose que je vais faire, une petite potion. Sur Chrono. On peut faire une petite attaque là-haut. Ici, une technique, non, une attaque aussi là-haut. Ensuite, ici, un cyclone sur les deux là. Non, un seul, zut. Allez, un en moins. On va devoir les attaquer à l'ancienne. Sans technique. Juste en frappant comme des sourds. Ok, deuxième, fini. Très bien. Ok. On peut avancer. On appuie sur ce bouton, ça ouvre un passage. J'ai eu une petite épée qui fait plaisir. Non, équipée. Voilà. On va quand même vérifier. Non. Non, c'est bon. Ok, donc là on est de retour derrière. On a juste trouvé un passage, un raccourci. Donc là, on monte. Et on est ici, d'accord. Dôme du gardien. Ah. Non. L'ordinateur ne veut pas s'allumer. Oula. Vieil homme. Scala, oh, tu m'as tellement manqué. Non, tu ne dois pas aller au pic de la mort. Tu n'irais pas très loin de toute façon. Ça doit être le bon moment et ça doit être eux ou
où la voie est fermée. Oui, oui. Dis-le. As-tu vu mon chef-d'œuvre? Le palais océan et le Blackbird, l'oiseau noir. J'ai dessiné et construit et j'ai les deux, tu sais. C'est du bon travail, n'est-ce pas? Alors, construction étrange. Oh, le sage, je ne peux pas attendre de voir quel code de programme tu installeras en moi la prochaine fois. Oh, c'est le genre d'appréciation qui fait que tout mon travail est valorisé. Comment est l'actuel? Ça semble un petit peu mieux qu'avant. Ouais, il redit la même chose. Et ici, on peut pas avancer, d'accord. On n'a qu'un vieux qui parle un peu tout seul, qui est fou, je pense. Ou pas, j'en sais rien. On peut aller ici au-dessus. On peut tourner autour, mais sans plus. Ok, alors on continue. C'est bien, on a traversé les égouts, mais... Pourquoi ? Le pic de la mort. Oh, d'accord. C'est peut-être pas le bon moment ou les bonnes personnes, hein, comme disait le vieux. Bon. Ok, on ne sait rien faire. Alors ici on va utiliser, tant que j'y pense, une tente, enfin un shelter. Voilà, comme ça tout le monde récupère tous ses PV, tous ses MP. Et on retourne en arrière. Non, pas par là. Pourquoi faire le grand tour alors qu'on a ouvert un raccourci? Voilà. On peut une fois aller voir vers le haut. Ou vers le bas ici, hein. Vers le bas ici, je ne vois rien d'important. Peut-être que c'était quand même dans le Domaris le problème. Alors. Ah oui, d'accord, là. Ici, voilà. Ok, on commence. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Cette console contrôle les verrous de la porte. Nous avons besoin d'un mot de passe pour traverser. Ok. Oups. D'accord. Il y a un rat. Ah. Allez, encore un boss. Initialisation de la séquence de commande. Chrono, qu'est-ce que c'est? Marl, abattons cette chose. Ok, alors...
clone. Non, ça ne sert à rien. Windslash, ça ne sert à rien. Alors, on va attendre un peu. Combo, lance-flamme. Bon, on va essayer de détruire hein, des... un des pods. Ah zut, c'est le mauvais. Voilà, le deuxième pod. Alors, Marl va commencer à devoir soigner. Aura sur elle-même d'abord. Très bien. Alors, combo Firewheel. Et toi, tu attaques tout simplement. Ça a l'air de faire des dégâts. Zéro. Ouais. Ok, donc le feu, ça ne marche pas. Ça, c'est fait. Alors, attaque normale. Ici, une petite aura sur Lucas. Trois. Deux. Un. Zéro. Attention les dégâts. Ah, les pods reviennent, d'accord. Non, zut. Alors, je vais faire un Aura Whirl. Combo. Aura Whirl. Pour soigner tout le monde. Ok, avec un petit critique en plus. C'est pas grave. Voilà. On retourne sur le gros. C'est pas beaucoup plus qu'une attaque classique. 5. Ah, c'est bon. Il est foutu. Très bien. Alors, on continue. Juste pour être sûr de ne rien rater, on regarde la carte. Voilà. Ah ! Il y a quelque chose qui pue ici ! Tout est complètement pourri. La réfrigération a dû s'arrêter. Chrono, regarde! Il ne respire plus. Il doit être mort ici. Il a quelque chose dans sa main. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Ça ressemble à une sorte de graine.
Une graine? Est-ce que ça peut encore pousser dans un endroit comme ça? Allez, une note est écrite sur un bout de papier pourri. Sera est plus qu'une statue. Je dois savoir le secret de ce dôme. Attrapez-le. Ok, et c'est tout. Là, ça doit être ça. Chut, il pourrait s'enfuir. Alors, courez après lui et appuyez sur le bouton A pour l'attraper. Je suis déjà en mode course. Allez, je le rattrape. Allez, 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 allez. Voilà, j'ai attrapé. Allez, donc elle dit je me suis fait prendre. Je te dirai tout. Clic. Appuie et retiens le bouton L et le bouton R et ensuite appuie sur le bouton A pour activer les interrupteurs. Quick! Si tu t'en vas et changes le schéma de contrôle plus tard, tu vas te rendre compte par toi-même. Quick! Alors. Donc ici, hein, y a toujours rien. Non. Ah, il semble être une statue décorée, une note est attachée à lui, attention. Quiconque approche les stocks de nourriture est sujet aux attaques. Il n'y a rien. Il y a juste une sortie en haut, une sortie en bas. Alors, ici. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Donc là, il n'y a rien. On arrive là, d'accord, mais ensuite. C'est vide, oui, forcément. Je ne sais pas. Alors, on continue. Non, rien du tout. Il ne nous disent rien de plus. Bon, on va déjà sauver.
Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode, c'est déjà très bien. On a affronté deux boss. Et on va voir pour la suite plus tard. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire ou même les deux. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez du jeu. Hein. Et surtout, eh bien, partagez les vidéos. Et portez-vous bien. À la prochaine. Bye.